Salut les biloutes, c'est Noobman. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne. Donc toujours un gameplay commenté sur Modern Warfare 3. On va plus prendre ce gameplay comme un support, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. La petite particularité, c'était que j'étais opposé à mes deux collègues de team, à savoir Roswell 56 et Mika7485, ou Dudul85 selon les comptes qu'il utilise. On s'est retrouvé moi contre eux, parce qu'on avait commencé à jouer. Comme je suis souvent l'hôte des parties, malgré le fait que je sois en Wi-Fi et que je pense pas avoir la meilleure des connexions non plus. Mais bon, c'est quand même, on va dire, 3 fois sur 5 ou 2 fois sur 5, c'est quand même moi qui me tape le fameux lag de compensation. Donc plutôt que d'avoir des parties où ça arrête pas de saccader dans tous les sens, je quitte la partie et je les rejoins immédiatement. Donc comme ça, on avait terminé la première partie dans la même équipe. Et le tirage au sort avait fait que pour la deuxième partie, on s'était retrouvé moi contre eux. Donc vous allez voir ce qui va se passer, vous allez voir que ça va mieux se passer que pour moi, que pour eux. Avec un petit passage que je garde sous le coude. Enfin, Mika va savoir de quoi je parle. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le gameplay UMP45 en or, silencieux, chargeur grande capacité. J'utilise comme atout passe-passe pro, assassin pro et visée solide pro sur les mitraillettes. Hein. C'est toujours la même classe que j'utilise sur les mitraillettes. Merci Bruno, grâce à toi je décroche mon premier hélico. Mes killstreaks, donc comme vous voyez, le Predator, l'hélico d'attaque et la volée d'H6. Encore une fois, grâce à la connexion en mousse de Bruno, c'est moi qui gagne le duel. Donc voilà, c'est parti pour 2-3 kills. Ou c'est con que je ne l'ai pas enregistré en live, vous les auriez entendu rager pas mal. Voilà, donc rien de spécial hein, au niveau de la classe, UMP45, ouais, une mitraillette que j'ai pas spécialement appréciée. Après, est-ce que c'est parce qu'on en a trop entendu parler sur Modern Warfare 2, UMP45 tir rapide, c'était l'AKU de Modern Warfare 2, comme la MP7 et la PP90 sont les armes de référence sur Modern Warfare 3. On a toujours une arme de référence et là c'était l'UMP45. Sur cet opus là, l'UMP45, ben voilà, elle est pas pourrie. Moi ce que j'apprécie pas, je sais pas, déjà au niveau de l'arme en elle-même, je la trouve pas belle. Au niveau du chargeur, ça saute énormément dès que vous êtes à... Allez, on va dire à une vingtaine de mètres quoi. Enfin moi je sais pas, j'approche pas, j'aurais peut-être dû essayer avec le viseur laser, mais enfin, la configuration dans laquelle j'ai fait la partie là, ça m'a... C'était pas terrible. J'ai passé les armes en or, ça fait pas mal de temps déjà, donc voilà, là je fais des gameplays pour vous montrer à peu près toutes les armes, voir un peu les différences, les caractéristiques, la manière de l'utiliser. Donc voilà, je galère sur quelques armes quand même, parce que c'est pas des armes que j'apprécie, et puis voilà, où il y a des armes, par exemple la MK14, j'ai enfin réussi à faire un gameplay potable, mais ça m'a quand même sérieusement pris la tête, hein. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais là, il y a quelques touffes qui ont dû partir dans la bagarre. Mais bon, ce sera l'occasion de vous montrer ça ultérieurement, et voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire également, au niveau des... J'ai eu quelques demandes, et déjà un grand merci, un énorme merci à mes 21 abonnés. Ah, ça commence doucement, mais 21 c'est mieux que 0, et franchement, voilà, quoi, je pensais pas, j'ai quasiment 200 vues déjà, donc ça veut dire que le travail intéresse un minimum. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, et tout ce qui m'a été apporté comme aide, et comme... Enfin voilà, quoi, à part le premier commentaire, comme je vous ai dit, qui était « ta chaîne est à chier », sinon après, il n'y a eu que des retours positifs. Moi je vous dis, hein, je fais pas ça non plus, je sais que je vais pas... j'ai jamais fait de mob, on m'a demandé, on m'a posé quelques questions, on m'a dit « est-ce que t'as déjà fait une mob ?» Non, une mob, une moab, une... Enfin, j'en sais rien comment vous le prononcez. Non, j'en ai jamais fait. La meilleure série, je crois que c'était 22, mais encore, j'avais campé comme un porc les 4 dernières fois, les 4 derniers kills pour essayer d'assurer, puis au final, j'avais quand même craqué. Donc, c'est pas pour moi. Je vais pas... Voilà, il y en a, j'entends des commentateurs ou des youtubeurs qui disent « Bon, bah voilà, j'ai 200 mobs, ou alors, voilà, j'ai fait une partie moyenne parce que j'en ai tué que 50. » Voilà, je pense pas que... Moi je suis pas comme ça, hein. Si je tue plus de 30 personnes dans une partie, pour moi c'est déjà pas mal, hein. Je pense que comme 95% des joueurs, celui qui a la chance d'en tuer 70 ou 50 par partie, bah, soit il est super fort et j'ai vraiment pas son niveau, soit... Bah voilà, ce sera pas ce que vous... Faut pas s'attendre non plus, comme je vous ai mis les deux premiers gameplays qui étaient pas mal costauds, il y aura pas ça tout le temps non plus. Et donc là, pour toutes les armes que je vais vous montrer, toutes celles que j'ai passées en or, je me suis fixé un minimum de 30 kills par arme. Je pense que c'est pas mal, je vais pas non plus vous en mettre 20. Après, s'il y en a plus, il y en a plus, hein. Je vais pas non plus, si j'en fais 60 avec une arme, ce sera avec un grand plaisir que je vous la posterai.
Concernant les demandes, donc comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, les demandes qui ont été faites sur mon compte Noomman, j'en ai eu 3, je les ai acceptées hier seulement parce que j'avais pas trop eu le temps, enfin, avec les horaires de travail, de faire autrement. Puis même, je rentrais du travail pour 20h30, je commençais à jouer à 22h, donc comme j'avais pas non plus commencé à discuter, enfin c'était un peu compliqué le soir. Je préfère faire ça la journée. Donc de préférence sur le compte Noomman 5962, Coco 5962 j'accepterai aussi, mais en gros ça dépend. Ça dépend de l'arme que j'essaye de monter, là en ce moment c'est plus les fusils d'assaut, donc ce sera plus Coco 5962. Après quand c'est les pompes, les mitraillettes, c'est sur Noomman, ça dépend quoi. Donc voilà, vous étonnez pas si vous me voyez pas trop connecté pendant 2-3 jours, c'est pas que je ne joue pas, c'est que je suis certainement sur l'autre compte, et puis voilà quand même. Les invitations, si je suis dispo, j'accepte avec grand plaisir. Si j'accepte pas, comme on m'avait envoyé une invite, j'étais en train de regarder une série avec ma femme. Bon, bah voilà, je vais pas couper ça non plus. Priorité quand même à la vie sociale, même si elle me reproche assez régulièrement d'être trop devant ma console. Enfin, normalement, je m'arrange à chaque fois quand elle est là pour ne pas jouer. Comme ça, au moins, ça fait un peu la paix des ménages. Les projets futurs. Alors j'ai mis sur Facebook, sur ma page Facebook, un petit QCM, mais bon, comme j'ai pas trop de monde sur cette page qui est encore abonné, je vais vous poser la question, vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est le moment culte. Je regardais qui s'en allait verser, qu'est-ce que je vois? Dudul. Ah, j'y vais. Toi, t'y as droit, attention. Ah là 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 là. Bon, Mika, j'espère que tu m'en voudras pas quand même de d'avoir posté cette séquence. Du coup j'enchaîne avec Bruno qui arrive comme d'habitude avec 20 secondes de retard. Je vous fais des gros bisous tous les deux et puis voilà, on se reverra très rapidement, quasiment de toute façon tous les jours hein, sur le live. Je vous embrasse, vous, toutes vos femmes, tous vos enfants que vous avez par dizaines, enfin voilà. Donc je vais parler des projets futurs. Je pense que arriver à 100 abonnés, je vais faire un live. Bon, pour l'instant ça fait 5 jours qu'on n'a pas décollé des 21, donc j'attends hein, si je vois que dans 3 mois j'ai toujours que 21 abonnés, bah je ferai quand même un live. Alors pour l'instant j'enregistre les gameplays avec mes armes en or, et puis quand j'aurai fini cette série là, enfin pas cette série mais quand j'aurai fini ça, je passerai au live. Ou sinon si vous préférez, je peux aussi monter une arme difficile de niveau 1 au niveau 31 en live toujours. Je trouve que c'est assez sympa pour ceux qui ont du mal avec une arme, comme ça on leur explique au fur et à mesure comment s'en servir et quel style de tactique et de technique adopter. Sinon aussi je pense vous faire une partie au sniper. Bon, ça risque d'être un grand moment parce que j'ai vu 50 000 youtubeurs dire que c'était des quiches au sniper, et au final les mecs ils enchaînaient quickscope, no scope, mes couilles sur ton escope sans aucun problème, alors que moi déjà c'est que du hardscope, et je pense que ce sera une série que j'appellerai à la recherche du quickscope perdu. Voilà, j'essaierai de vous faire en live. En gros, le principe, ce sera d'essayer de faire un quick scope en live, chose que je n'ai jamais réussi à faire parce que je ne sais pas comment faire. Donc, si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire. Hein. Je vais pas non plus rester 107 ans. Hein, si au bout de 10 parties, parce que tout le monde m'a dit en commentaire quand j'avais osé dire ça à un youtubeur sur sa chaîne que les quick scopes, j'en ai jamais fait, on m'avait dit bon, bah voilà, hein, le quick scope, tout le monde sait en faire, c'est parce que t'es vraiment nul. Donc, on va relever le défi, on sait jamais si j'arrive à en faire. Pour moi, franchement, c'est compliqué. Et vous verrez exactement ce que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout le sniper. Au niveau des rythmes des vidéos, je pense en mettre 2. Parce qu'au départ, j'ai encore 7 ou 8 gameplays, bons gameplays. Et 2, 3 très bons gameplays que je peux poster. Donc 8, si j'en fais 2 par semaine, ça va faire à peu près, ouais, ça va faire 2 mois. Que je dise pas de bêtises, non, ça va faire un mois, qu'est-ce que je suis bête. Donc un mois, j'espère que de toute façon j'ai en enregistré entre temps, mais enfin voilà, il y a quelques petites vidéos hors sujet qui sortiront. Par exemple, demain je vous en poste une nouvelle concernant des boosters sur qui je suis tombé hier. On parlera un petit peu de la communauté et de tous ces aléas justement en utilisant ce support et puis cette triche manifeste que j'ai pu constater. Et après-demain, donc, je vous sortirai une vidéo, mais là, ce sera carrément hors sujet. Hein. Ce sera pas du tout du Call of Duty, ce sera autre chose, vous verrez. Enfin, je vous fais la surprise et puis ce sera l'occasion de profiter. Voilà, bon, écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Voilà, donc le score, je vous laisse regarder. Hein. Je vais pas le spoiler à 30 secondes de la fin. Et sur ce, les amis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!